super, franchement c'est pratique. C'est pratique parce que devoir chercher une connexion, c'est pas évident. C'est une excellente chose. Oui, c'est quelque chose que je vais utiliser sans aucun doute, oui, bien sûr. Ben, on est dans le troisième millénaire, on regarde tous nos emails sur nos smartphones, donc c'est quand même très très bien. Plus d'accessibilité, de liberté et de surf sur le web, bien sûr. 3, 2, 1, 0. Le Wi-Fi public, c'est parti. Depuis le 18 juin, la CAPA offre à ses habitants, aux visiteurs et aux touristes un service de Wi-Fi public gratuit. Objectif, réduire la fracture numérique en permettant à tous l'accès à Internet, améliorer l'information des habitants et des touristes sur la vie du territoire et offrir un nouveau service aux usagers. Nous étions loin de supposer qu'il y a encore 5 ans. Moi, je me mets en dernier. La réduction de la fracture numérique tient à deux points. La possibilité, grâce au Wi-Fi, de se connecter et la facilité, grâce à la gratuité, pour tous, d'avoir accès à ces services. Le territoire du pays ajaxien est connecté au-delà des moyennes nationales, mais il faut aller au-delà du territoire. C'est un devoir pour nous, c'est une exigence pour la démocratie, mais c'est aussi pour nous une grande joie que de partager. Dans un premier temps, 8 zones d'Ajaccio sont couvertes par le Wi-Fi public gratuit. La place Mio, la place Foch, la place du Diamant, le port Chalornan ou la place du Cazone, la médiathèque des Cannes, le square Camping et la plage de Lave. Ainsi, sur le sable, en terrasse et même en mer, les usagers pourront profiter du Wi-Fi. Et pour apporter le service dans les zones non couvertes, des solutions mobiles existent. Grâce à un véhicule spécialement aménagé, des zones dans le rural pourront offrir ponctuellement une connexion au public à l'occasion d'événements comme des foires ou des festivités. En fait, c'est une des actions du projet Territoire numérique. Donc, il est un projet global de mise en avant des technologies de l'information au service du citoyen et des compétences de la collectivité. Et donc, aujourd'hui, un territoire moderne, on le voit dans les grandes villes, se veut d'offrir un Wi-Fi public gratuit sur des points stratégiques ou des places fréquentées de son territoire. Et ainsi, la ville d'Ajaccio rejoint des territoires comme la ville de Barcelone, de Dublin, ou même de New York, ou de Paris, où des dispositifs de ce type ont été déployés. Pour vous connecter, rien de plus simple. Allumez votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone et activez le réseau Wi-Fi gratuit Pays Ajaccien. Ouvrez votre navigateur habituel, vous serez automatiquement redirigé vers le portail d'accès du Wi-Fi du Pays Ajaccien. Remplissez le formulaire, puis cliquez sur « Me connecter ». Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur « Inscrivez-vous gratuitement ». Et voilà, vous pouvez désormais surfer librement sur Internet, envoyer et recevoir des courriels. Après cette première phase de déploiement du Wi-Fi, la CAPA va étendre le service Wi-Fi gratuit au cœur des villages du pays ajaccien. Et ce, dès 2014. D'ici là, profitez de l'été et sortez surfer en toute liberté.